Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans le 11e épisode de Batman Arkham Knight. Alors on va continuer les énigmes d'Edward Nigma pour sauver Catwoman. J'aime bien les énigmes. On s'en sort pas trop mal là-dessus. Alors, il faut savoir que j'ai un petit peu triché. J'avais raté de 400e la course la dernière fois. Je l'ai refaite. Hein. Je l'ai refaite online, sans vidéo. Ça m'a pris 5 minutes. C'est juste histoire de ne pas faire une vidéo trop longue. Et j'ai réussi à avoir tous les points. J'ai même fait 51 secondes et quelques. Donc c'est plutôt bien terminé. On va mettre les points, puisqu'on en a 13, comme vous le voyez, à mettre. On va mettre des points là-dedans pour augmenter la tankiness de Batman sur les balles. Puisque c'est vrai que dans les phases de combat où je galère le plus, c'est quand les adversaires ont des balles plutôt que quand ils ont au corps à corps. On va mettre quand même un point au corps à corps, mais c'est tout. Je pense que ça ira pour le corps à corps. Donc pour la tenue de Batman, on a mis des points. Maintenant, on va aller chercher le combat, le truc le plus fun généralement. Même si j'arrive pas à me souvenir. Le super étourdissement, on va mettre 3 points, pas super. Élimination avec la Batmobile, pousser vers l'extérieur, ça me semble trop compliqué. Ça c'est augmente les dégâts et multi-élimination au sol, ça me semble pas mal. On va mettre donc 4 points là-dedans et il reste 5 points à mettre. Combo spécial, Batarang, non. On va aller chercher pour la Batmobile. Essayer d'améliorer un petit peu tout. Ah ça c'est sympa. C'est sympa le truc qui permet d'éjecter. Ça c'est maximise la cadence de recharge. Bon c'est pas super. Ça c'est augmente le blindage de la Batmobile. Ça va aussi, on s'en sort bien pour le moment. On n'a pas trop besoin de ça. Donc on va mettre 4 points là-dedans. La super éjection. Maintenir A. Il faudra que j'y pense. Et derrière, on a un point à mettre. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut mettre un point là? Neutralise instantanément l'ennemi le plus proche lorsque le jet est déclenché. Ouais. Et là, un point. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est ce que je galère le plus à faire. Augmente la durée. Oh, on va mettre un point là. Et voilà, comme ça, on aura mis tous les points. De toute façon, je suis parti pour faire le jeu quasiment à 100%. Et si je le fais à 100%, ça signifie que j'aurai sans doute des points dans tout. Donc on va resélectionner Enigma. Ça, c'est un des problèmes du jeu. Quand on quitte le jeu et qu'on revient, on a de nouveau à resélectionner. Donc on va y aller en planant rapidement. C'est où? C'est juste là. C'est juste là. C'est juste en dessous. On est arrivé à faux. Faut la Batmobile, donc on l'appelle directement et on y est. Ça bug. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est bon. Ça buguait un peu, mais c'est bon. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir que tu participes à mes petits jeux. Tu es littéralement incapable d'imaginer ce que ça fait d'être aussi intellectuellement isolé du reste de la race humaine. Je ne peux pas carrément. Que tu vois dans des milliers de ce donjon noir, mais ta résistance faiblarde est un changement appréciable comparé à la capitulation directe des autres. Toujours le petit discours pour préparer le chargement. Qu'on arrive, ok, la bonne zone verte. Est-ce qu'il y a un autre truc avant? Là. Ouais, donc là, ça sera pour plus tard. C'est l'énigme des clés. Il y a des fils verts qui mènent à ça. Ah, tu vas regretter de ne pas être venu en Batwing. En Batwing. Ah, donc il va falloir voler, là, je pense. D'accord. Bon. On va regarder. Mais là, les fils, ouais, ils mènent au truc, d'accord. Donc, il y a un truc à activer en face, là-bas. Il y a un truc à activer là. Ok, d'accord. Donc là. On va aller de l'autre côté. C'est pas ça que je voulais faire.
permet d'activer les objets de l'homme mystère. C'est par pression. Mécanisme de pression. On peut peut-être tirer dessus. Voici, chevalier noir, ce n'est pourtant pas une énigme de haut vol que je te propose. Haut vol. Faut peut-être planer jusqu'au truc. Éjecter, planer. Ouais, c'est peut-être ça. On va tirer dessus d'abord. Vérifier quand même. On va tirer dessus. Donc a priori, c'est s'éjecter dessus. Ça me semble pas facile quand même. Hein. Ah, je suis trop bas. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Par contre, pour aller à travers la grille, là, je vois pas. Bon. Ouais, s'éjecter et puis l'écrire en majuscule. Ouais, il faut écouter ce qu'il dit parce que ça donne vachement d'indices en fait. Alors je pense qu'il va me falloir une heure à mon avis pour arriver à faire le truc. Tac. Ah, je suis encore trop bas là. Ah, je suis trop bas. J'arrive pas à me guider. Et hop. On est parti. Boum. Là on relève, on relève, on relève. Ah, oh, je suis trop. Je suis trop. Oh non, c'est bon, ça passe. Ça passe, donc c'était ça. Ok, et ça ouvre là. Ah ouais, parce qu'il y a un bouton là. Il y a un bouton là. On va vérifier. Ouais, il y a un bouton. D'accord. Ok, il y a un bouton. Ça veut dire qu'il faut que je tourne en planant. Ok. Oh là là. Oh. Ah, il faut bien gérer le joystick là, et ça c'est... Je vous ai déjà dit, hein, moi la manette... Moi j'ai joué à des manettes, il n'y avait pas de joystick. Hein. Ouais, le joystick ça n'existait pas quand j'étais petit. Enfin, je plaisante, mais... C'est à partir de la PlayStation 2 qu'il y a les joysticks. Ouais. Je l'ai pas eu sur la PlayStation. Bon, la GameCube, il y en a aussi, mais... Ah. Ouais, là, ouais, comme vous le voyez, on arrive très bien. On arrive à s'accrocher au plafond. Bah, on est une chauve-souris, hein, donc c'est normal. Et c'est pas tout à fait ça qu'on nous demande. Même joueur joue encore. C'est parti. Ah, j'ai bien raté là. Ah, oh là là, c'était magnifique. Est-ce que je peux remonter? Non, je pense pas. Hein. Y a pas d'air. Y a pas d'air ascendant. On va retomber. Plouf. C'est pas grave. La tenue avait besoin d'un petit nettoyage. Un petit nettoyage. C'est fait. Maintenant, on va y arriver. La cape est propre. Tac. Hop. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Et voilà, il suffisait de laver là. La tenue. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut faire après? Piège mortel. Oh non. Oh là là. Déjà que celui-là est dur. Ah, il faut aller par là-bas sur celui tout à gauche. Faut planer pendant 30 000 ans là. On est parti. J'ai pas assez d'énergie là, je me suis un petit peu raté, je crois. C'est pas grave, vous avez rien vu, vous avez rien vu. Fermez les yeux et je vous dis quand c'est bon. On est parti. On repart. Les hiboux, certaines araignées. D'accord, ok. On plane, ok. Et donc faut rentrer là-dedans. Oh non! Ah, faut pas toucher ça! Ok. Ok, c'est facile! Je vais y arriver du premier coup. Enfin, du deuxième, allez. Deuxième. On va y arriver, allez. 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 Non! J'ai touché le haut! C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais m'éjecter directement alors que c'est pas ça. Il faut d'abord rouler. D'abord rouler, Iker. Hop, on est parti. RD. On accélère et on lance. Allez. On essaye de passer. Sans. Ah, le. C'est dur, hein. C'est dur. C'est pas facile. Ça a vraiment un trou de souris pour passer. Et en plus, faut tourner juste avant. Parce que si on avait le temps de se mettre en ligne droite, et c'est qu'il y a un virage à effectuer juste avant, il faut
en rentrant dans le truc, il faut se positionner correctement dès le début, tout en tournant. C'est vraiment pas facile, hein. C'est vraiment pas facile du tout. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Allez, 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 allez. On va finir par y arriver, j'espère qu'on va pas passer tout l'épisode à faire ça. Allez. On se concentre, on se concentre. Oh, j'ai touché, mais ça a considéré que j'avais pas touché, donc tant mieux. Maintenant, faut réussir. Oui! On a réussi, on relève la tenue. Parce qu'on a beaucoup transpiré. Ah, c'est fini, ta prochaine clé s'impatiente. Ok. Ok, c'est cool. Je devrais d'abord aider Célina à choisir sa clé. Alors, ok, c'est un E à l'envers. On encore trouver... des vitrines. Génial, ma partie préférée. Ok, ok, donc le E, il est de cette direction-là. Là, on a le E à l'endroit. Quelle vitrine, chaton, chaton, c'est celui-là. C'est celui-là, on vérifie. C'est celui-là, je crois. Bon. Ouais, on va. Il est peut-être l'heure d'éventuellement mourir. Oh, d'éventuellement mourir, je me suis gouré. J'espère pas. Allez, ça passe. 4. 4, ça passe. 4. Plus que 4 énigmes. Ce n'est pas vraiment comme ça. On avance bien, on avance bien. Je pense encore 2. Si on arrive à enchaîner les énigmes, je pense dans 2 épisodes, on a terminé la partie Catwoman et la partie Edward Nigma. Après, il y aura les trophées à les récupérer. Sur la map, j'ai l'impression. Oh, super. On va s'amuser. Une nouvelle pièce ouverte. Donc là, faut que j'aille plus loin. Ouais, c'est pas ici. C'est pas ici normalement. Non, il faut que je retourne à l'orphelinat. C'est ça. Je crois que oui. Hein. Je crois que oui. Je crois que c'est ça. On va retourner à l'orphelinat parce qu'il y a rien indiqué là. Donc je pense qu'il faut sortir. Oui, c'est ça. On va sortir et on va aller faire l'épreuve donc avec Catwoman. Hop, on remonte, donc ouais, donc c'est bon. Bien joué, chevalier noir. Tu as réussi une nouvelle épreuve. Eh oui. Je ne peux m'empêcher d'admirer avec quel fougue que tu t'es lancé dans une tâche pour laquelle tu n'étais manifestement pas du tout préparable. Je me sens presque coupable quand je pense à ces éléments. Mais pas assez pour annuler les festivités à venir. Retourne à l'orpheline. Ouais, c'est ça. Une autre de mes sept épreuves qui attend. On y va. Let's go. Hop. On est arrivé. Donc l'orphelinat, normalement, c'est pas très loin. Hein. On vient juste de faire le trajet. 556 mètres. Non, c'est pas le bon. Est-ce que c'est la bonne mission? Ah non, on nous a encore remis dans la mission qu'on veut pas. Je retourne à l'orphelinat. Ils aiment bien, hein, ils aiment bien nous empêcher de faire les... Oh là, il y a des mondes là. On va se barrer. Pas envie de fight maintenant. La cible a disparu. Boum, on décolle. Wow, on a détruit le pilote. Et on est arrivé. Et voilà. C'est limite plus rapide hein, en planant avec en s'éjectant de la Batmobile. Hein. On va limite plus vite qu'en Batmobile. C'est un truc de fou. Il y a ça là, j'aimerais bien essayer. J'aimerais bien essayer cette énigme là. Ça me semble être... Il fallait la Batmobile et à un moment on pouvait pas l'amener jusque là. Maintenant on peut l'amener, donc autant essayer. D'accord, donc quand on en ouvre un... D'accord. On en ouvre un autre. D'accord. Faudrait que peut-être que je... Il y en a un autre ou pas à ouvrir. Il y en a 3 à ouvrir. Et il y a celui-là tout là-haut. Ah
Ah mais ça ferme les autres. Ah je pensais qu'il fallait tous les ouvrir mais ça ferme les autres. Ok, est-ce que ça fait une ouverture quelque part? J'ai pas l'impression hein. J'ai vu un type respirer le gaz de l'épouvantail. Pas bon à voir. Ouais bon bah je crois qu'on va pas rester sur cette énigme très longtemps. Là on peut pas rentrer. Non, on peut pas. Ouais donc je sais pas trop. Ouais ça s'est fermé, donc oui il y a un escalier à l'intérieur, le but c'est d'aller à l'intérieur, je pense. Batman est aux commandes depuis trop longtemps, il est en constante brasse de stase. Ok. Bon j'ai peut-être une petite idée mais On va laisser tomber. On va aller faire la salle avec Catwoman et on verra ça à un moment. Je ferai peut-être ça en online parce que genre, c'est ce genre de truc qui peut prendre une heure. Donc je sais pas si c'est très intéressant de vous montrer ça. Enfin, en pas enregistré, ça veut rien dire en online. Donc on est arrivé à l'orphelinat. Comment tu t'en sors? Le divertissement est top. Eddie vient de me faire un cours sur les 13 innovations qui lui ont permis d'équiper ce collier d'explosifs en plastique sur mesure. Tu dois être flatté. D'être quoi? Ta motivation? Allez, la prochaine pièce d'énigme t'attend. Allez, let's go. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ici? Votre prochain défi est simple. Guider une charge électrique jusqu'à la destination. Guider une charge électrique jusqu'à destination. Pourvu que la pression ne vous fasse pas. La pression s'écrit en majuscule, donc il va falloir presser les trucs. Y a ça. Quoi son problème à Eddie? Narcissisme, égocentrisme et mégalomanie fanatique associés à de graves troubles obsessionnels. Merci. Je t'en prie. D'accord. On pourra changer entre Batman et là il y a le bouton là appuyé sans doute. D'accord. Ah ça fait avancer la charge électrique, d'accord. Il faut faire tout le long. Ok, d'accord. Et là. Et quand on met Catwoman, ça fait le premier. Et quand on met Catwoman avec Batman. Ah, d'accord. Le contrepoids se déplace quand je marche sur. Il y a trois niveaux. Il y a Catwoman, il y a Batman et il y a les deux. Donc là, hop, il faudra mettre Catwoman. Et là, il faudra mettre Catwoman. Ok. Ensuite, il faudra mettre Catwoman et Batman pour monter tout en haut. Ensuite, Batman. Et ensuite, Catwoman et Batman. J'ai à peu près compris, on est parti. Tac, on lance. Ok, donc ça va là. Hop, on peut partir. Donc là, ça passe. Là, faut mettre. Faut pas mettre Catwoman, ça marche pas. Faut mettre. Ah merde, c'est en haut. J'avais pas vu que c'était en. Ça se croisait les deux. Il faut que je prenne Batman. Batman, ramène-toi. Ouf, ça passe. Donc là, faut laisser que Catwoman. Donc faut enlever Batman. Faut mettre Batman ici. Hop, ok. Et ensuite, faut mettre Batman et Catwoman. Ok, on va réussir du premier coup. Là faut pas que je passe sur l'interrupteur sinon ça va tout niquer. Hop. Et là vite, il faut que je prenne Batman, ramène-toi. Ouf, ça passe de justesse. Et après c'est bon ou faut faire quelque chose? Bon, a priori c'est bon, cinématique, tout ça. Yes, quasiment du premier coup hein. Il a fallu que j'essaye une fois d'abord. Mais qu'est-ce que c'est? Un sol électrifié. Ok, donc faut mettre quelqu'un sans doute sur le bouton. Vas-y toi, tu me dois bien ça pour Arkham City. Incroyable, tu as tout tiré au clair. Eh bien, tu ferais mieux de prendre ta clé et de te mettre en route. Ah, oula. Je te présente ta deuxième génération. Ah, deuxième génération. Pour chacune de tes compétences. Boum, boum. Hein? Ils sont électrifiés ceux-là?
Comment je les tue à distance peut-être? Laisse-moi m'occuper des bleus. Ah, laisse-moi m'occuper des bleus. Passer à Batman. Ok, on peut échanger. Ah, oh, c'est sympa. Donc ils peuvent pas se battre ensemble. Et les bleus font rien à Batman. Ok. Et les rouges qui font quelque chose à Batman? Wow, on va pas essayer. On va taper les rouges d'abord. Tape pas les bleus, tape pas les bleus, Catwoman. Ah, j'ai dit de pas taper les bleus. Oh merde. Laisse-moi m'occuper des bleus. Oui, oui. C'est pas facile. Allez, le rouge. Voilà, putain. On passe à Batman. J'ai plus beaucoup de PV, là. Vas-y. Les dangers du combat, de la résolution des lignes. Boum. Encore une autre série. Ah non, on a l'XP. C'est bon. C'est bon, on va remettre Batman dessus. Tiens, on va prendre Catwoman. Hop. Et on va lui donner son troisième collier. Il ne reste plus que trois énigmes après ça. Ah ouais. Ah, on avance bien, on avance bien. Hop. Le collier anti-puce de Catwoman. Et il restera plus que trois énigmes après. C'est cool. On avance plutôt pas mal. On va bientôt sauver Catwoman. Eddie te déteste vraiment, hein? Et on a pas mal de points. Et il ne supporte pas de perdre. Ah, si seulement vous vous étiez rencontrés dans d'autres circonstances. Son obsession s'aggrave. Il s'en prend à mes alliés maintenant. Tes alliés? Après ça, je crois qu'on peut rétrograder notre relation à associés pour un temps. Ok, bon. On a fini cette énigme. Il reste plus que la porte, ok. Ce n'était rien, chevalier noir. Rien du tout. Une nouvelle épreuve t'attend près de Divinity Church, détective. Et moi aussi, je t'attends. Divinity Church. Ok. Bon, on va enchaîner, même s'il reste plus beaucoup de temps pour la vidéo. On va voir où faut aller déjà. Hop. Bonne nouvelle. Ah, le Joker. Je me baladais en enfer. Et vu que tu m'as tué et envoyé là-bas, et tu devineras jamais qui j'ai croisé. Bingo! Ta petite copine morte, Talia Al Ghul. Talia ne t'inquiète pas, elle me l'a assuré. Ça ne la dérange pas loin du monde que la minette prenne sa place autour de ton cou. C'est pas ça que je veux faire, c'est sélectionner le bon truc. C'est bon, cette fois-ci, ça n'avait pas désélectionné. On est parti. L'homme mystère n'abandonnera pas. Il y a trop d'orgueil. Vous allez le décourager, monsieur. C'est une certitude. Allez, on décolle et on y va en volant. C'est quand même classe. Franchement, je suis content d'être de ce côté de la barrière. Oula, c'est quoi ce truc? Les cobras devaient réduire en quête. Ils ont bien failli m'écraser à la base. Lololo. Le chevalier avait pas prévu le bas de tank. Ah ouais, c'est plus qu'une voiture de sport améliorée. On se planque, hein. Ces enfants auraient mérité une mise à jour. La Batmobile ne peut pas se rendre toute seule ici. Oh non! Je peux pas continuer, il faut que je les tue les mecs. Ok. Faut que j'amène jusque là la Batmobile. Bon, on a traversé un pont peut-être. Un pont où j'ai pas encore accès. On va vérifier. On va pas monter par là. On va pas repasser sur les lasers quand même. Mais il y a l'air d'avoir un pont là. Il y a un pont là. Ah ouais, il est fermé le pont. Il faudrait que j'aille au pont. Peut-être. Est-ce qu'on peut appeler la Batmobile là? Non. Et là, on va pouvoir. Là, on faut peut-être que je fasse la mission principale. On va aller faire la mission principale, je pense. Je pense qu'on est quasiment obligé. Donc on peut pas amener la Batmobile de l'autre côté de toute façon. Ah là, il y a un truc là. Ah oui, c'est les bombes dans le sol, c'est vrai. Allez, on va s'en occuper.
Oh, carrément. Coucou, salut les gens. Cible touchée. Je me prends des coups pour rien là. Ah, la gestion de la caméra, génial. Je l'ai touché. Génial, on prend des coups pour rien. On a failli crever. On va éviter quand même. C'est bon là. Maintenant on va refaire le truc. Ah, mais il y a encore quelqu'un. Je dois retourner là-bas. Pierre Padoué, boum. On va les péter. Il en reste. Non, c'est bon. Voilà, normalement je récupère tous mes points de vie. Lancer le chargement du virus. Je vais être bientôt connecté, monsieur. L'opposition est mineure, maître Boss. J'ai flingué ta voiture. Ah merde, merde, merde. Avant d'avoir neutralisé la bombe. La caméra est vraiment parfois extraordinaire. Boum, on se prend un missile. On est parti, on est parti, on est déjà à moitié de PV. Drone passe sur le flanc. Ça commence bien. Boum. Batman a détruit un rappeur. Oh, il a dit opposition mineure, ça devrait aller. Allez, truc, mitrailleuse. En bas, hors ligne. Ah oui. C'est vrai qu'il y a l'air de ne pas en avoir beaucoup, hein. Au moins 5, 6, 7, c'est pas mal. Opposition mineure, hein, heureusement. On aurait pu croire qu'il y en aurait pour y en avoir. Ça tire, hop. Hop, on se frappe. On détruit celui-là. Boum, avant qu'il ait le temps de tirer. Boum. Celui-là. Celui-là. Ça pète dur. Hein. Deux corps, on vise le haut. Ça explose vite. Hop, on évite les balles. Hop, on se frappe. Ah merde, ça tire sur moi là. Ça tire, ça vient d'où? Je sais pas. Non, mais y a combien? Opposition mineure, hein. Heureusement qu'Alfred est là. Hein. Opposition mineure. Il y en a des centaines. Allez, allez, hop. C'est pas trop dur, mais c'est vrai que j'ai pas amélioré le blindage de la Batmobile, ce qui fait quand même il faut pas prendre non plus trop de balles pour mourir. Je pense qu'il faut en prendre que 5 seulement. Et là, vu la durée du truc, merde, j'ai tiré les missiles en même temps. Bon, encore une balle et je suis mort. Allez, alors, j'espère qu'il en reste 15. Ah non, c'est bon, c'est fini. La charge de la bombe est exposée avec le treuil électrique. Ah, mais la gestion de la caméra, parfois je dois appuyer vraiment sur une mauvaise touche, hein, parce que la vision comme ça, c'est quand même assez dégueulasse. Je ne peux pas sortir, la bombe pourrait exploser. Allez, faut que je me mette en mode tank. Voilà. Allez, c'est le truc avec accéléré. Accélère. Galerman. Allez, allez. Allez, allez, ça y est, c'est à fond maintenant. Ça passe. Félicitations, monsieur. Je fais tout le jeu en même temps, quoi. Je fais des amorçages de bombes. En même temps, je vais chercher des dispositifs. C'est dingue le nombre de trucs qu'il y a à faire. Bon, bah voilà pour l'épisode 11 de Batman Arkham Knight. J'espère qu'il vous aura plu. On va essayer de faire la mission principale pour pouvoir continuer les énigmes d'Edward Nygma. Allez, à la prochaine.